Le 30 octobre dernier, juste avant le lancement de la Paris Games Week, la première extension de Destiny avait été dévoilée. Il s'agit de la malédiction du virus et elle sortira le 5 décembre. Salut les viewers, c'est Marcus Gonus et bienvenue à la Playroom pour ce nouvel épisode, enfin cette nouvelle vidéo information sur Destiny 2. Pourquoi je suis là? Pour simplement parce que vous annoncez que je me suis planté sur les dates. J'avais dit que c'était le 8 décembre qu'elle sortait l'extension. C'est faux, elle sort demain. Bien, Marcus. Donc du coup, mise en pré-téléchargement de l'extension à 17h, fin des serveurs, enfin coupure des serveurs pour mise à jour à 17h, retour à 19h, 19h sortie de l'extension et de la nouvelle mise à jour, potentiellement la mise à jour de Noël. Ce qui veut dire que demain, j'essaie de vous tourner un épisode d'une vingtaine, trentaine de minutes. J'essaie de vous le monter le plus rapidement possible, de vous l'uploader le plus rapidement possible, ce qui devrait arriver vers 23h à peu près, dans le meilleur des cas. Sauf si je fais 20 minutes de tournage, ça dépendra de la première mission en fait finalement. Et ensuite, le lendemain, tournage le matin pour ma part. Si j'ai suffisamment avancé, je peux vous faire les événements publics de la nouvelle planète qui est Mercure. Et donc l'après-midi, on passe l'après-midi en live sur Destiny 2 à faire les événements de la planète Mercure. Avant d'imaginer que j'arriverai jusque là, on va dire. Si on n'y arrive pas, je prévois quand même la quête exotique de l'Empereur des Rats qui nécessite d'être en escouade pour être réalisée. Donc venez nombreux si vous souhaitez avoir cette exotique qui est un exotique permettant d'être plus puissant si vous êtes nombreux à l'utiliser dans les squads. Tout simplement, c'est un pistolet ou un revolver, je crois que c'est un revolver. Plus vous êtes nombreux à l'utiliser dans les squads, plus il est puissant. Voilà, pour la petite information, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, comme ça tout le monde sera au courant de quand sort la mise à jour. Et de quand sort aussi le DLC, vu que les deux sont liés entre guillemets à mon avis. A mon avis, la mise à jour Noël arrive demain, tout comme l'extension. Voilà. Donc 17h, pré-téléchargement, coupure des serveurs jusqu'à 19h, nouvelle sortie de la mise à jour, nouvelle sortie de l'extension. Enfin, sortie de la nouvelle mise à jour, sortie de la nouvelle extension, c'est mieux, c'est plus français. Voilà. Salut les gens.